Bonjour, aujourd'hui nous sommes à bord de cette MG4, donc vous commencez à la connaître un petit peu. La MG4, je vais vous donner une astuce en fait pour le bruit du clignotant, regardez. Voilà, il est extrêmement fort, bon les caméras sont mises en route, il n'y a pas de souci. Mais le clignotant, il est très fort et ça peut être perturbant pour certains. La caméra s'est remise à l'avant. Donc en fait, pour mettre la caméra frontale en route, vous êtes obligé de mettre le clignotant au moins un coup. Voilà, là j'ai mis l'autre côté et voyez, et ça revient. Et normalement, après, on peut sélectionner la caméra qu'on veut. Là, je suis arrêté. Donc là, ça fonctionne. Vous voyez, plus la caméra ici 360, etc. Bon, pour cette partie, je pense que vous avez compris. Pour diminuer le bruit du clignotant, donc je refais le bruit. Vous voyez, très fort. Donc, je suis obligé en fait de l'éteindre parce qu'il faut que j'aille dans les réglages. Et les réglages, en fait, c'est ici, réglages. Et si vous voyez ici, sonnerie. Alors, on peut se dire, tiens, c'est la sonnerie pour le téléphone. Mais en fait, non, regardez. Là, il est à 2, c'est le minimum. Je ne peux pas faire mieux parce que même si je clique ici, je ne peux pas l'éteindre. Donc, écoutez la différence. Vous voyez? Beaucoup plus faible. Donc là, en plus, on est arrêté, donc je ne roule pas. Mais sinon, quand on roule, on l'entend, mais vraiment très faiblement. Il faut vraiment faire attention. Et du coup, c'est pour ça que certains, s'ils ont mis les warnings et que vous le suivez, bah, c'est souvent, ils roulent avec les warnings allumés parce que ils l'entendent pas. Et ici, ça clignote faiblement. Voilà, donc ça, c'était pour cette fonction. Au niveau de la voix, vous êtes aussi nombreux à dire que elle parle un franglais. Donc, c'est à moitié français, moitié anglais. Et pourtant la langue elle est bien sélectionnée en français, hein, vous le voyez ici, et le LOMG, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer dans la voiture, moi je l'ai désélectionné, ainsi que les commandes de salutation, c'est-à-dire bienvenue à bord de la MG4, enfin des trucs comme ça. Vous pouvez personnaliser d'ailleurs, hein, y a pas de souci d'ailleurs ici, vous cliquez là-dessus, vous pouvez personnaliser. Perso, j'ai viré. L'alarme de surveillance des pneus, certains étaient toujours embêtés parce que ils avaient manque de pression, etc. Vous cliquez ici, vous avez plus l'avertissement, c'est fini. Avertissement batterie faible, c'est pareil, vous voulez l'enlever, c'est ici, mais ça par contre je vous conseille de laisser actif. Parce que le jour où vous allez pas comprendre pourquoi la voiture elle ne démarre pas, vous n'aurez pas l'alerte comme quoi la batterie est faible. Voilà, donc résultat des courses, le clignotant ne fait presque plus de bruit, et résultat des courses, quand je démarre la voiture, je n'ai plus le franglais qui parle. Voilà, et ça, c'est un gros changement. En même temps, vous savez que ma voiture elle a eu une grosse mise à jour, donc il y a quelques jours seulement. Donc voici la dernière version, pour être précis, et je n'ai plus de mise à jour. Hein, à savoir que là pour la recherche de mise à jour on est bien le 17 11h18, regardez, je fais détecter, elle va chercher, voilà, aucune mise à jour. Savoir que ces mises à jour là c'est vraiment les minimes, que vous ne verrez pas la différence. Chaque mise à jour importante sera faite uniquement chez le concessionnaire pour le moment. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait un défaut de sécurité ou autre, automatiquement le concessionnaire peut corriger. Contrairement à la mise à jour quand vous la faites vous, s'il y a un défaut de fonctionnement, vous pouvez vous retrouver complètement en panne. Et là par contre, c'est gênant. Bon, vous avez vu, j'ai reçu un appel. Le Bluetooth depuis fonctionne bien. Pour ceux qui ont suivi la page Facebook, vous avez vu que j'ai notifié énormément de bugs sur ce véhicule, notamment le Bluetooth qui avait besoin d'être appairé très régulièrement. Ça veut dire que une fois jumelé, je sortais du véhicule, j'allais faire une course, je revenais, le téléphone ou la voiture me redemandait de jumeler. Au début, je pensais que c'était un problème de téléphone portable. Et au final, non, c'était un problème du véhicule.
la mise à jour de l'infodivertissement a corrigé ce problème. Voilà. Mais sinon, j'ai toujours d'autres soucis qui persistent et sans solution. Bon, on va être patient en espérant que on puisse trouver. Pour les commandes vocales, ici, il est impératif d'avoir un boîtier Android. Donc, comme moi ici, que j'ai depuis le début, regardez. Voilà, que vous commencez à connaître, parce que pratiquement dans toutes mes vidéos, il y a ça. Il faut bien sûr avoir Android Auto ou CarPlay connecté, parce que ça va utiliser en fait votre internet de votre voiture. Voilà, vous cliquez, vous parlez, mais honnêtement, en date d'aujourd'hui, il faut répéter 36 fois la même chose. Ou alors, si vous dites « appel », il y a un prénom précis, il va très souvent trouver le prénom dans votre répertoire s'il n'est pas répété à plusieurs reprises. Mais en plus, il sait pas quoi faire. Même si vous dites « je veux envoyer un SMS », il sait pas. Donc honnêtement, vous focalisez pas là-dessus parce que c'est pas opérationnel. La touche décrocher, raccrocher, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Bon, après, voilà, ça fonctionne relativement bien. Depuis la mise à jour, j'ai enfin ma consommation. Rappelez-vous, dans les premières vidéos, mon graphique il s'arrêtait à peu près par là. Là, vous voyez, le graphique il continue sur toute la longueur. Donc du coup, j'ai plus de précision sur ma consommation. Et aussi, regardez, là, le graphique, il est plus à jour. 1 km de gagné sur mon parcours. Voilà, et depuis la dernière charge, etc. Donc, c'est assez bien. Là, vous pouvez cliquer, il n'y a rien. Autre chose, le chauffage intelligent de la batterie. Moi, je vous déconseille, en fait, de la décocher parce que elle mange énormément de batterie. Je vais vous faire la démonstration. Regardez, voyez là, il me reste 200 km avec 62%. Là, j'active. Tac. Ah, il ne veut pas. Ah si, il vient de basculer, c'est bon. Il vient de basculer, mais par contre là, il n'a pas bougé. Bon. En temps normal, il use à peu près entre 20 et 40 km d'autonomie. Voilà, normalement c'est censé être intelligent, mais je crois que pour ce coup-là, c'est un petit peu loupé. Autre chose, le chauffage. Ah, ben, j'avais juste besoin de faire ça. Le chauffage, il y a une légère amélioration de ce côté-là aussi. C'est pas encore au top, mais ça fonctionne. Et vous allez voir un debug qui fonctionne, regardez. Je vais juste baisser la température et regardez bien ici ce qui se passe. Vous voyez, il y a même la ventilation qui a changé alors qu'ici ça n'a pas changé. Là, ça souffle plus fort. Alors, attendez, tac. Vous voyez, paf, oh, il a disparu. Alors que j'ai même pas touché. Et là, vous voyez, ça a baissé sans toucher. Voilà, donc là on a toujours des bugs qui existent de ce côté-là. Et surtout, si vous. Donc il y avait 197. Hein. Regardez, je coupe. Et on a gagné 10 km de plus. Voilà. Donc pour être sûr d'avoir le bon fonctionnement, je vous conseille ici à ce niveau, en fait, quand vous le mettez en route, c'est de laisser en mode automatique. Pourquoi ? Parce que il va se mettre à température 24 degrés. Là, enfin, j'ai sélectionné 24, mais bon, maintenant, je vais en sélectionner moins. Voilà. Et en fait, quand il va détecter qu'il y a 22 degrés, il va couper. Et automatiquement, vous n'allez pas autant consommer que si vous êtes constamment avec le chauffage. C'est juste à titre d'information. Voilà. Après, perso, vu les petits trajets que je fais, soit en automatique ou pas, je m'en fous. Autre chose, vous voulez un chauffage vraiment efficace, il faut obligatoirement activer AC. Ça veut dire air climatisé, mais sans avoir activé ça, vous ne pouvez pas avoir du vrai chauffage. Pareil, si vous cliquez sur éco, vous n'aurez pas de réelle performance en chauffage. Ça va être économique, donc ça va éviter de trop tirer sur la batterie. Donc, pour ma part, ça, je ne le sélectionne pas. Voilà. Et autre chose, le chauffage est incompatible avec la conduite en mode éco. Vous voyez ici,
Donc incompatible avec le mode éco, il faut laisser en mode normal. Si vous mettez en mode éco, pareil, les performances chauffage vont baisser. Voilà, donc c'était les quelques petites astuces à savoir sur la MG4. Après, pour le reste, c'est une voiture qui, malgré les bugs, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ne m'a jamais laissé en panne au bord de la route. Donc ça, je le tiens à souligner, parce qu'il y en a qui ont des voitures et qui sont vraiment en panne avec d'autres marques, notamment. Alors c'est vrai que je parle énormément des bugs de la MG4, mais tout simplement pour avertir les autres utilisateurs que s'ils ont les mêmes problèmes, bah, de le mentionner auprès de leur concessionnaire afin de faire une remontée à MG France, de manière à ce qu'ils puissent corriger le tir très rapidement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très très important de communiquer de manière à pouvoir avoir l'amélioration du véhicule le plus vite possible. Voilà, sinon pour le reste ça fonctionne. La réception de la radio, elle est très médiocre. Malgré la mise à jour, j'ai une réception qui est vraiment très 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 difficile. Bon, après, pour ma part, j'écoute de la radio en ligne, donc ça me présente aucun souci. Et puis surtout que sur cette version, il y a la possibilité d'écouter la radio la radio en ligne via Amazon. Donc à savoir, j'en profite aussi de cette vidéo, qu'il faut sélectionner amazon.fr. Et oui. Et là, vous pouvez vous connecter à votre Amazon Prime. Pour ceux qui ont déjà Amazon Prime, pour les colis gratuits, etc. Enfin bref, vous utilisez votre compte, vous aurez la musique d'office. Vous n'avez pas besoin d'abonnement complémentaire. Sachez-le. Voilà. Et sinon, je crois qu'il y a un mois de inclus. Et après, c'est un abonnement à payer. Là, pour le coup, utilisez votre compte Prime de chez Amazon et vous le mettez dessus. Vous avez Prime Music dessus. C'est gratuit, ça fonctionne très très bien sans aucun problème. J'ai pas mis parce que j'écoute ma musique directement. TuneIn, entre autres. Et sinon, là, j'ai mes applications qui sont à travers le boîtier Android. Et d'ailleurs, je peux mettre la musique de mon téléphone portable dessus, etc. Voilà, et j'ai même Netflix Prime Video, hein, il y est, bah, voilà, il y est là. Donc tout ça, c'est fonctionnel, ça permet, en fait, là, comme je suis arrêté, de pouvoir regarder un film en streaming. Malheureusement, ce qui n'est pas possible d'origine avec la voiture. Même si vous êtes arrêté, si vous avez un film sur clé USB, vous pourrez lire le film à travers la clé USB. Mais sinon, pas possibilité de lire un streaming, un Netflix ou autre à l'arrêt. Par exemple, quand vous êtes en train de charger, entre autres. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est fonctionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un sujet particulier, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire. Et puis, on essaiera de faire une vidéo explicative sans aucun problème. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. We'll be right back.